La première fois que je suis venu à la Sainte-Chapelle, j'étais un tout petit garçon, je devais avoir 11 ans, et ça a été pour moi un émerveillement de couleurs, et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que la musique était colorée. Quand vous voyez un vitrail, vous ne voyez pas tout de suite tous les personnages. Vous avez une sensation colorée et vous êtes ébloui. Vous êtes obligé de fermer les yeux. Mais la chose merveilleuse, c'est que les personnages que vous voyez ont des rouges, des verts, des jaunes, toutes sortes de couleurs. Lorsque j'entends un accord, un complexe de sons, je vois, pas par les yeux, mais intérieurement, dans ma tête, des couleurs correspondantes. Je vais vous le jouer maintenant en accord parallèle et ça va donner un bleu-violet avec des petits cubes gris, un peu de bleu de cobalt, un peu de bleu de prusse, quelques reflets violacés, or, rouge et rubis et quelques étoiles mauves, noires et blanches. Mais la dominante, c'est le bleu-violet. Le voilà. In his lifelong search for material, one of the most constant points of return for him was birdsong. He took birdsong and